Donc du coup, bonjour à tous, ici Amangoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc cette vidéo, ça va être pour le web event que je vous avais promis. Donc du coup, là, on est directement sur le site de Genshin Impact. Donc dans cette vidéo, je vous parlerai de web event qui est l'atelier Brutal Reaver. Et on verra également sur ce qui va arriver de l'1.5, le système et le housing. Et on y va, c'est parti. Décoration. On aura
On pourra également avoir des ennemis de compagnie d'après ce qu'on peut constater. Et attendez. Voilà. Donc là, c'est contre des espèces de fous. On peut échanger contre des tissus, des résines fragiles, des leçons de zéro, des minerais, de la mora et des. Là, on a le choix entre différents royaumes, ce royaume-ci, ce royaume-là avec les montagnes, et ce royaume dans cette petite île. Alors, les meubles, on doit les acheter. Avec la monnaie du royaume, on va pouvoir obtenir des recettes de meubles ou de bâtiments. Une fois ces recettes maîtrisées, on doit tout simplement crafter ces systèmes. Certaines ressources pour crafter ces meubles sont déjà disponibles dans le jeu, comme le fer blanc ou d'autres qui sont disponibles à partir de mise à jour. On pourra gagner en coupant des arbres. On pourra également gagner des recettes en faisant des spells comme le tendon, les venettes traduction avec la musque. Donc là, comme vous constatez, on a besoin des minerais et du fer blanc. Le minerai, c'est assez simple. On va dans résister une bonne stack. Un petit peu pour un petit débile, et donc du coup là il nous indiquera. Et donc dans l'atelier on peut faire venir les personnages qu'on possède, et donc dans le futur donc on va faire pousser des légumes, donc peut-être 1.7 puisqu'en 1.6 il nous dit que ce sera pas encore terminé. De décoration. Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo qui apparaîtra dans cette fiche de cette petite vidéo, c'est que en fait, comme je vous avais expliqué, c'est que Genshin Impact ils sont assez limités quand ils commencent le système d'housing, mais au fur et à mesure des mises à jour, ils vont avoir beaucoup plus de Yeah.
je vais pas vous dire la stable puisque pour laisser planer le mystère. On aura également d'autres invités, le TCG Pierre, on aura deux invités, le TCG Carré, on aura également le joueur de l'archétype de Canix qui va venir se renforcer. Et donc du coup je vous en dis pas plus pour laisser planer le mystère et demain on découvrira la fin du mystère. Et donc du coup, je vous dis à plus. Ciao. C'était Alban.